Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéo dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Bonjour, bonsoir, journal Gazette Créole qui rentre la caillou. Mes titres qui peuvent dominer l'actualité dans le journal Sapo et jeudi, vendredi 20 mai 2022 sur Vision 2000. La police a annoncé l'arrestation de Luc Masson Mathieu, accusé comme monde qui baille une série chef gang ZAM, tant que ISO s'est appelé avec ISKA qui a contrôlé l'entrée sud capitale là parmi ZAM Saogen T65. Cadre AR-15 et puis gagné tout plusieurs et milliers munitions Libay. Dans une vidéo PNH a publié, Luc Masson Mathieu fait connaître lycée assistant chef service office national assurance direction ONA et il y a travaillé tout comme agent police parlementaire dans le niveau parlement haïtien. La police déjouée a hier matin tentative kidnapping a libéré une petite fille dans Kafourita Clercine après une alerte CRO sur une machine qui était gagné fillette là avec deux autres monde là-dedans. Kidnapper qui t'a circulé sur moto t'a tenté sauver avec Tifia après avoir finir les armes sur monde qui était dans machine là. Individu était obligé quitter machine là alors que plusieurs unités spécialisées dans PNH là t'app et rap poursuivre. Te gen protestation hier jeudi parmi l'autre sous la rue avec un bois vernat pour te capable dénoncer plusieurs cas kidnapping qui enregistré dernier jour sa yo parmi victimes yo gen un mécanicien Sévenel Lazaveli et Christella Alexis lundi 17 mai pour dire que te enlevé Christella Alexis accompagné avec Patnelli dans zone Delma 45 la vie se réclamé $1 million pour capable libérer d'après ça et celui fait connait. Chauffeur, secrétaire d'État, intégration mon handicap et au Renault, mon plaisir, jeune libération li après l'argent qui était bail comme rançon, il était passé en valeur 18 jours, ma mère ravisseur qui était kidnappé le 1er mai, a été accompagné à notre employé bureau secrétaire d'État, qui c'est Joseph Jean Bouchereau, qui était libéré lui-même 14 mai. L'hôpital Bernard Meuse a annoncé les fermer portes li et depuis hier lundi, jeudi et pour demain samedi en tout, comme signe solidarité avec la Société haïtienne pédiatrie pour exiger libération du docteur Benetti Augustin qui est en otage depuis 15 jours malgré au premier l'agent qui baille comme rançon pour libérer. Employé l'hôpital général a dénoncé enlèvement directeur médical HEH, le docteur Jacques Pierre-Pierre a réclamé libération sans condition. Ravisseur a exigé $3 million d'après quelques employés. Yo, moun konnen sou nan sa, la police présente comme un gros bandit. Joun arrestation mercredi à la Grand Rivière du Nord. La police tape cherché li pour possible implication parmi l'autre dans sa kidnapping, dans viole moun ak vol dans plateau central. Bloc qui a appuyé à Comontana exhorté bureau suivi à Kowa pour li passer en aucun document qui pas prend en considération question pour mettre campé yon exécutif ak deux têtes là, Jean Sadi nan Kowa. N'a pas retourné, mette branché. Enfin encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Events Alcimé. Et puis, dans le micro, Nativita, Prioli, Pierre-Louis. Nous retournons pour détail information yo. La police a annoncé le déjouer une tentative kidnapping a libéré yon tifi hier matin dans la zone 11h30 Kosa, zone Kafourita dans Clercine. Après yon alerte CRO te gagné sur une machine côté te gagné et fillette là avec deux autres monde kidnappeur qui t'a circulé sur motocyclette t'a tenté prendre la fuite avec fillette là après te finira les armes sur monde qui était dans machine là font te gagné plusieurs et patrouille et avec des spécialistes PNH qui t'a pour suivre été obligé abandonner machine là d'après ça institution policière a fait connait. Nous pour écouter témoignage jeune victime yo dans tentative kidnapping ça que PNH là t'a publié sur page Facebook li en écoutant.
Ça veut dire que tu as fait la machine. C'est celle où nous sommes venus à Maro Rouge. C'est la Maro Rouge, j'étais derrière, mais moi qui viens avec Zan dans le côté, il y a des bleus qui viennent, des fleurs. C'est un homme qui vient. Et c'est l'heure. Mais qui côté action ça a commencé? C'est devant. On m'a rouge, on s'est mis. Bleu à fleur. Mais ça pousse à vous savoir que d'abord là. Dans le pâtiment. Mais est-ce que vous avez vidéo là? Parce que depuis mal dans le patient, je courais. Pour aller courir moi-même. Et là, je suis sorti, tout le barrière a ouvert, tout le monde rentre là, malade. Mais on ne peut pas estimer combien il y a de temps. Gagnent plusieurs cas kidnapping qui enregistré pendant jour passé là yo dans plusieurs côtés dans région métropolitaine Port-au-Prince là par victime yo gagnent mécanicien Venel Lazare qui a travaillé dans un garage dans rue Chrétien écli dans mercredi soir et puis gagnent Christella Alexis lundi 17 mai Christella lui-même qui était victime de kidnapping avec tout et partenaire alors faut apprendre la saute dans travail pour aller la caillou dans Delma 45 pour dire dans sens ça te gagnent plusieurs protestation qui était faite hier jeudi en sous la lue à Boisvena pour te cap dénoncer ka kidnapping sa ou parmi l'autre et d'après protestateur kidnapper ou ta réclamé $1 million pour capable libérer Christ et ménage li que qui était avec lui. Nous suivons et yon extrait dans micro David Locha. De la 45. Yo prend li, yo kidnappé ensemble avec ménage là. Depuis lundi soir jusqu'à présent là, après les demandé nous $1 million américains. Nous pas gagne on pas gagne machat nous relé, c'est dans secret là, puis dans téléphone, il pas supporter encore. Il pas supporter prendre avec toute ménage pas d'absence parce que c'est ménage qui qu'on a derrière le soir dans son travail. Non, pour kidnapper ça le connaît. Nous pas capable passer tout temps nous dans lycée. Là nous fait pile temps absence pour nous chaussons dans là, nous reste mais parce que quoi nous gagne. Les semaines nous fin craser à grand on assemblé. Nous pas gagne. Ça veut dire la police moutière, lui qui est pour son temps, il parle, le kidnapping pas fait prendre le pays. Ah bah, il y a la rue, on ne va pas capable de quoi, avec kidnapping ça, on ne veut rien. Toujours une question et kidnapping, non? L'hôpital Bernard Meuse annoncé
Li et fermé porte li depuis hier lundi à et jeudi à demain samedi en tout comme si une solidarité avec la société haïtienne pédiatrie pour exiger libération docteur Benetti Augustin qui est en otage depuis et plus passé 15 jours et malgré le premier versement qui était bail et comme rançon pour ça donc c'est pour capable réclamer libération docteur Augustin donc l'hôpital l'a décidé pour fermer pendant 3 jours il était fermé hier et jeudi à avec demain samedi. Gagné et employé l'hôpital général Lyon qui dénonçait enlèvement qui fait sous directeur médical HEUH docteur Jacques Pierre et réclamé libération de sa condition ravisseur qui t'a semblé exiger en valeur 3 millions de dollars pour qu'a libérer d'après déclaration qu'a été fait président syndicat employé l'hôpital là et Evelyne Frémont et fait connaître et l'hôpital là et capable travailler depuis mardi pour capable joindre libération médecin en écoute déclaration Lyon dans micro Rove Gentius Jean-Michel. Franchement, depuis le tout employé l'hôpital général tant d'enlèvement, docteur Jacques Pierre, qui a 43 ans depuis qu'il a servi nos populations, je dis encore récompense, c'est kidnappé. Mais depuis lors, quel que soit le personnel là, c'est bien capable d'où, c'est plus qu'il n'a que tout. L'hôpital là, c'est comme si c'est mouru, docteur Pierre-Pierre mouru. C'est deuil qui sous chaque employé l'hôpital général. Docteur Pierre-Pierre, mes amis, après 43 ans, la baye service, l'hôpital général. Je suis capable de c'est tout dernièrement là pour une promotion et venir monter chef directeur médical. Docteur Pierre-Pierre, pas bon goût, ça qu'elle gagne, c'est pour capable répondre avec 3000. Docteur Pierre-Pierre, pas de moyens pour le bail l'argent, ça, on me demande que vous demandez. Quand elle va jouer un corps pour le bail, ça te fait demander, non mais le monde qui est là, s'il vous plaît, on prie la gueule. Parce que pas de moyens, pas de corps. Combien montant même il a demandé un bon corps, même pas capable de préciser combien de corps. Il a demandé à Américain, il a demandé à Haïtien. Alors mes amis, est-ce que vous n'avez pas un corps pour serrer? J'ai l'impression que je veux dire là, chaque jeune Haïtien peut chercher, faire quête, mettre l'argent au côté, les on prend pour le bail. Est-ce que Dr. Pierre Pierre a un corps? C'est tout dernièrement là, on bail Dr. Pierre Pierre en promotion. Hein? Je vais même croire que c'est quelque 2 ans là-dedans. Hein? On sent le public qui va payer en quête. C'est les gens qui grèvent, n'a pas réclamé, pas juste où est mon taille, ils mettent un petit corps sous chèque. Si on garde sous chèque Dr. Pierre Pierre, on va demander pour qui ça. Hein? C'est parce qu'elle remet le job là, qui fait l'être là-dedans. Et Dr. Pierre Pierre est capable de se un homme qui est plus sage. Qui puis propre la société, mes amis. Je tiens là pour être ça, madame n'a retrouvé. Et docteur Pierre Pierre, au monde qui est diabétique, faut le prendre médicament. Mes amis, s'il vous plaît, frère, côté lié, livrez-le pour nous, non. Retournez la caille pour nous, parce qu'il va être capable. Est-ce que l'hôpital général lui-même lui continue à fonctionner normalement? Non, depuis là, je prends docteur Pierre Pierre, je prends docteur Pierre Pierre, tout le monde, l'hôpital l'a fermé. Pas de aucun côté qui travaille. On va suivre déclaration Evelyne Frémont qui a et ses présidents de syndicats employés dans l'hôpital général qui a réclamé libération docteur Jacques Pierre-Pierre et qui était donc qui est directeur médical HUEH là. Gagné et une note l'été mettait dehors société haïtienne pédiatrique qui exigeait pour divers et l'hôpital des campé travail clinique sorti 19-21 mai comme si protestation contre kidnapping docteur Augustin Benetia fondé que l'hôpital qui donc pat et qui pat et au courant qui fait connaître que pat au courant de et existence notre ça qui sorti bon côté société haïtienne médiatrien en nous suivant papier avec David Lochard. Kidnappé depuis 5 mai passé à dans la boule 12 docteur Benetti Augustin toujours a passé mauvais moment dans mes kidnappé. À 44 l'année sous tête li, pédiatre la si tout fixé tête li, n'a pris soin de moun qui fait maladie crise. L'hôpital Saint-Damien côté docteur a travaillé comme responsable clinique externe avec traitement pour ti moun kap tombe levé yo et puis l'hôpital Saint-Luc pour exiger libération décide de fermer porte yo. Environ 15 jours après la kidnapping sa, société haïtienne pédiatrie sorti en note pour demander à secteur médical là en général, et spécialement si la yo qui gen awe ak ti moun. Pour camper travail journée jeudi 19 là pour bout samedi 21 mai cap vini là yon consigne qui pas tellement respecté dans première journée. Cependant l'hôpital Benamez lui-même li annoncé li camper toute activité. Nous bouquer victime en bas mais kidnapper pendant n'a risqué vie panne pour nous sauver par l'autre monde faut insécurité ça fini. C'est quelque parole qui écrit dans notre ça responsable Benamez yo mette deyo. Quant à l'hôpital l'appel lui-même li fait connait service pédiatrie li a lui-même tout a camper tout service à partir vendredi 20 mai. N'a fait connaître tout, c'est après un pile péripétie famille docteur a été arrivé par yon premier magot l'agent.
Malgré ça, mais ces kidnappés ont toujours kembel pendant qu'ils ont exigé pour une autre fois 2,5 millions de gouttes avec 10 000 dollars américains pour la guerre pendant qu'ils ont même baillé des délais jusqu'à samedi. Pour diable pour famille qui parle ni en haut ni en bas, à prier grand-mère là pour faire un miracle. David Lochard, Radio Vision 2000. Chauffeur, secrétaire d'État, intégration, mon handicapé, au Renault, mon plaisir, jeune libération, li, après l'agent qui était baillé comme rançon, et il était passé 18 jours, ma mère a vu ce, qui était kidnappé le 1er mai, accompagné avec un autre employé, bureau secrétaire d'État, qui c'est Joseph Jean Bouchereau, lui-même, qui était libéré 14 mai. La police a annoncé arrestation Luc Masson Mathieu, accusé comme moun qui baille une série chef gang zam, d'un coup Iso Tilapli avec Iska et Nexayo qui a contrôlé l'entrée sud capitale la Pamizam Sayo, gen T-65, gen M4, gen AR-15 avec plusieurs milliers de munitions tout qui est qu'on habitué à Efounio. Dans une vidéo PNH a publié, Luc Masson Mathieu fait connaître les assistants chef service Office National Assurance Vieillesse, la travaille tout comme agent police et parlementaire dans le niveau parlement haïtien. Yo, moun connaît son nom ça, la police a présenté comme un gros chef gang, un gros bandit, journaliste Sanson li et mercredi à la Grande Rivière du Nord, li et femme et c'est une patrouille et la police qui était Rivière de Mensouli qui a été tête collée avec commissaire le riche Jean Richard après une alerte et CDRO dans Noate et lancé dans sens ça d'après ça PNH fait qu'on est cherché yo et pour possible implication dans un kidnapping, dans viol, dans vol motocyclette dans niveau plateau central. Présumé bandit Kandek Clovis, Evans lui avec Fonzi Sénéas qui t'a même 400 Marozo avec 5 secondes une arrestation yo semaine ça c'est la police dans département NIP qui mettait main sur yo détail yo avec Natacha Jean-Jacques. Dans une conférence pour la presse 19 mai 2022, direction départementale NIP police en fait bilan travail ont réalisé sorti 14 pour arriver 18 mai. Selon porte-parole PNH NIP Axel Calix, la police et la justice arrivé mettre main dans Pat Kassav, Kadek Clovis alias Bouboule 38 l'année qui fait partie gang 400 Marozo, Evans lui alias Tissimbert, et Franzi Sineas 25 l'année alias Chiboti qui fait partie de balle 5 secondes. Déclaration porte-parole police Niplan Astrel Calix. Kadek Clovis alias Bouboule 30 ans dans cadre opération la police te entreprendre. Monsieur fait partie de groupe 400 Marozo. Monsieur Metili c'est Kanzam en République Dominicaine et puis entre Haïti pour 400 Marozo. Et élément ça qui c'est Louis Saint Evans, nous te prenons monsieur avec plusieurs l'autre bagaille tant coup zam artisanal monsieur te commencé à bailler monsieur Kembe nan mer. Yo te vinn installer lui comme chef de un gang qui a évolué dans niveau en haut. Côté que monsieur lui-même il était installé comme chef mais nous craser zea depuis nan noyau li. Porte-parole PNH Triplan Astrel Calix pi loin fait qu'on est individu sa yo a répondre question la justice pendant remercier population nipoisa qui permettent yo faire coup de filet ça. Natacha Jean-Jacques département Nip pour Radio Vision 2000. Merci Natacha Jean-Jacques.